Hey, bonjour YouTube, bienvenue sur ce nouvel épisode sur Fall Guys. Cette fois-ci, marathon de la finale. On va tenter justement de remporter la couronne dorée. Je n'ai jamais fait ce mode, il est pour une durée limitée. C'est parti! Ok, on commande avec l'hexagone infernal. On n'est que 16, si j'ai pu comprendre. À mon avis, ça va être comme des demi puis des finales. J'ai aucune idée de quoi le mode, mais bon, on n'est pas beaucoup. Et on va tenter de se qualifier. Pour la prochaine manche, c'est parti. C'est pas grave. Ça va. Let's go. Non, je savais. Ok, il y en a qui est tombé comme un noob. C'est bon. On va aller là, on sait qu'on tombe pas. Ici, moi. Non. Et tabarnak. Ben non, je tombe de... J'ai tombé de beaucoup, mais c'est pas grave. Dans ce temps-là, on peut marcher plus facilement, justement, sur nos cases. Je sais que le truc, c'est de sauter. C'est pas nécessaire de sauter, c'est d'y aller tranquillement. Mais, asti, j'haïs ça. Oh, je l'ai pas eu. On va faire attention à pas tomber. 4 sur 6 d'éliminer déjà. Mais voyons donc. Oh shit. Il y en a qui ont tombé vraiment au complet. Ah, oh, let's go. Je suis tout seul là. Faudrait que je fasse Ah, oh, c'est-tu que je suis con? Ok, je suis qualifié, mais est-ce que j'étais con? J'ai failli me scraper ma game en essayant d'y aller de petit carré par petit carré. Ben, carré. Petite forme par petite forme. Mais let's go. On se rend à travers les 9 qualifiés. Les rois du saut. Puis là, on a vu tantôt, là, on était 9 qualifiés, puis il y avait, je pense, 7 personnes d'éliminées, ou je sais pas, mais je pense que c'est 20 personnes maximum. Je le verrai si je refais une prochaine fois la manche. Oh, il y a un fan. La question, c'est est-ce que le fan bouge? Ça pourrait être un game changer, ça. Oui, le fan bouge. Est-ce qu'il est très puissant? Pas tant puissant pour le moment, mais ça le fait. Ok, déjà... Un truc qui tombe. Déjà quelqu'un d'éliminé. 1 sur 3. Va chier, tu me feras pas tomber, toi. Merde. Bon, allez, là, ouais. Là, le vent, je veux pas qu'il me tue. C'est bon. Déjà une deuxième personne d'éliminée. Oh. Je suis mort. C'est moi là. Oh, j'ai été con. J'aurais dû aller de l'autre bord. J'ai juste été con. J'ai été distrait, là. Une demi-seconde. Regardez, voyez-vous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut être 20. C'est pas vrai qu'on va abandonner après avoir échoué un premier marathon de la finale. Mais tu sais, un marathon, dans ma tête, c'est... Ok, peut-être juste 16 personnes, finalement. Mais un marathon, pour moi, c'est beaucoup de manches. Comme c'était le cas avec l'anniversaire. Tu sais, c'est quelque chose qui se fait sur une longue durée. Puis là, j'ai l'impression qu'on va faire quoi? 2 ou 3 maps? 2 ou 3 missions maximum? Mais bon, on va commencer avec Valse du Kraken pour cette deuxième tentative. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu, à faire sonner la cloche pour me supporter, pour m'encourager, surtout si vous aimez mon contenu. Sur ce, c'est parti avec votre cornet préféré. Ok, faut pas tomber dans l'eau. On est quand même 16. Comment ça va se passer? J'ai aucune idée comment ça marche. On va aller dans le verre. Ok, le Kraken, il est là. Il veut pogner quoi, là? Ça va tomber, j'imagine. Ok, il est quand même... Oh, tabarnak! Je me tasse de là, moi, là. Je sais pas pantoute qu'est-ce que ça fait, les couleurs, là. Les... Il y en a qui tombent, en tout cas. Ça, c'est correct. 2 sur 6 d'éliminer. Oh, Chris, c'est pas bon, ça. Allez avec toi, mon ami. Avec toi, mon ami. Ouais, parce qu'on veut pas se faire frapper, nous autres. Puis là, faut... Hé! Hey! Ben non, tu m'as eu, mon esti! J'étais tellement concentré sur autre chose. Hé! Hey! Hé hey, que j'étais pas concentré là-dessus. Hé hey, que j'étais pas concentré là-dessus. Hey, ça faisait... Pourtant, c'est mon genre de pousser les gens, d'essayer du moins. Puis là, j'étais carrément en train de regarder autre chose. Je faisais tout sauf regarder où j'étais. J'étais comme, je suis en train de regarder si... à gauche, à droite, qu'est-ce qui allait exploser. Ben, voyons donc. On se reprend avec balle rebondissante. C'est parti, c'est une map qui peut être très agréable, comme peut être très chienne, parce que les blocs tombent. Et on a des boules pour faire exploser le monde. Hein. On peut prendre des balles rebondissantes. Là, ce que je remarque... Je n'aurai pas de balle répondre ça. Ah ben oui. Ok, il y a un AFK là. Mais je l'ai pas fait exploser au bon endroit.
Let's go. Ça a pogné du monde. Il y a du monde qui revole de partout. Mais déjà, un d'éliminé. Non, toi, tu le lanceras pas. Ah, des fois, juste le laisser tomber, tu te dis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le... Ça va avoir 4 sur 6. Let's go. Oh, oh. Oh, oh. Ah, c'est bon, ça. Oh, lui est mort. Oh! Oh, shit! Il y a beaucoup trop d'explosions. Des explosions inverses, cependant. C'était comme qualifié. Let's go, on est sur lui. Hein. Sur les 16 personnes, parce que c'est vraiment une compétition à 16. Il ne reste plus que 10 qualifiés. La question. Combien de personnes doivent se qualifier pour se rendre à la manche finale? Pas de trouble. 0 sur 4. Ok. Non, va chier, c'est moi qui est là. De toute façon, les... Ça, c'est juste de la fierté, là. Oh, oh. Je vais tuer en plus. Mais bon. Excusez, j'ai tué deux fois. Mais bon, 0 sur 4, il y a déjà du monde plus bas que nous. La question. Est-ce qu'on va être capable de... Non, on va chier. Ah, c'est ça. Hostie. Ok, correct. Vers à gauche, je m'en vais à droite. Puis là. Je viens de voir où c'est que je vais aller. Exactement. C'est bon, c'est bon. Ah, oh, t'aurais pu me tuer, toi, mon ami. Tu l'as pas fait, cependant. Let's go. Ah, oh, je m'en vais à mauve tout de suite. On prend pas de chance. 0 sur 4. Ah, tabarnak, je savais. Mais c'est pas grave. Là, toi, tu m'énerves, mais l'autre bord. On va essayer de couper lui. Ok. Ah, il essaie de me couper, là. Il est en train de me couper, mais je sais quoi faire. 1 sur 4. Faut pas que je tombe, c'est juste ça. Je suis capable? Oui! Oui, qualifié! Ouh, c'était limite ça. X, c'était limite. Je regardais ce qui était bleu en bas. J'étais tellement concentré que je parlais pas. J'étais comme, il faut absolument que je réussisse à rester. Donc, il ne reste plus que 6 personnes. Est-ce que c'est la finale? J'ai hâte de voir. Oh, ex-anno, c'est même pas la finale! C'est même pas la finale! Hé, hey, je viens de voir qu'il y a R2-D2 en face de moi. C'est quand même cool, avec... Il est comme sur le faucon. Là, la question... Faut pas tomber, hein, je pense. Ouais, c'est ça. On va rester sur le bleu le mieux qu'on peut. Faut en éliminer deux, cependant. Déjà quelqu'un d'éliminé. Let's go. Let's go, je suis un deuxième d'éliminé. Je veux pas que ça soit toi, R2-D2, cependant. J'aimerais ça que ce soit quelqu'un d'autre. Ça va bien, là. Ça va bien. J'ai l'impression que ça accélère, mais... J'ai vraiment le feeling qu'on est des hauts tabarnaks. On est qualifié. J'allais dire qu'on est des bons joueurs. Mais oui, on est qualifié. Puis je sais pas c'est qui est mort. J'ai hâte de voir. On va le voir à l'instant. Est-ce que c'est R2-D2? Ouf, c'est pas R2-D2. R2-D2 est avec nous. On est en demi-finale en théorie. Ah, comme j'avais dit, demi-finale, exoterrestre. Ça, c'est les tuiles qui reviennent, qui réapparaissent, justement. Calvaus, il n'y en aura pas de facile. Puis on est juste 4. Fait que ça va jouer vraiment quand ça va se rapetisser, à mon avis. Ou si quelqu'un joue vraiment bien pour couper les ponts, couper le chemin à quelqu'un. C'est parti. Hostie. On a failli... Il est en train de me tuer, lui? Un peu plus, puis il m'avait eu, hostie. Hey, il m'a accroché, lui, mais vas-tu mourir à cause de ça? Ça prend juste un éliminé. Oui! Il y a quelqu'un qui est mort. Victoire! Et que j'ai eu peur. Et que j'ai eu peur. Let's go! Let's go! Puis je pense que c'est lui qui m'a accroché, qui est mort, en plus. Ouh, que c'était limite. Et que c'était limite. Bon, la manche finale, les rois du saut. Nous ne sommes plus que 3.
Est-ce qu'on va être en mesure d'aller chercher la couronne dorée aujourd'hui? J'aime pratiquement mieux les manches où tu peux attraper la couronne. On dirait que ça rajoute un challenge. Ou du moins, il y a un plaisir à gagner. C'est parti. Toi, tu bouges pas. Et ciboire. Non, je m'en vais à l'autre bord, moi, là. Prends pas de chance. Je sais que je peux sauter d'une place à l'autre, là. C'est un bon petit début. Let's go. Ah, c'est dommage cool ce que tu fais, R2D2. Ok, on est tout à la bonne place. C'est excellent. Ici, moi, le vent a tué le gars. Shit, le vent, il augmente de puissance. Un contre un pour la finale avec R2D2. Allez, 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 allez. Je vais le pousser. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Oh, c'est que je suis con. R2D2 a gagné. Bravo R2D2, juste pour voir ton petite animation, Black Machine, tu n'es pas gentil, je suis fier de toi. Bravo R2D2, j'ai juste été con, j'ai tellement essayé de te pousser que j'ai oublié que ça tournait, esti. J'ai carrément oublié ça. Ah, oh, c'était drôle, mais c'est pas comment je pourrais dire ça, un défi que j'aime vraiment faire, les manches sont ok, mais j'aime mieux des parcours plus athlétiques. Mais bon, c'était bien plaisant. Et sur ce, c'était votre Cornet qui vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche. Sur ce, ciao, ciao, les Cornets.